Jedan čas samo ću vam pričekati. Ovako je. Kažete bomba. Ja vam kažem jabuka. Draga vam je krv. Meni je voda i smijeh. S vama se ja ne igram. Radovan me disait, il m'en a souvent parlé, hein, de la vie en Yougoslavie, de l'absurdité. Ce qui le choquait beaucoup, c'était non seulement la rigueur du régime, le caractère policier du régime, mais c'était aussi la bêtise, l'absurdité. Et dans ces pièces de théâtre, hein, il y a justement le reflet poétisé, bien sûr, le reflet admirablement transfiguré de ce poids que faisait peser le régime, les comités de surveillance, la police, toutes ces tracasseries auxquelles il a eu affaire. Et ce qui est très frappant, c'est qu'il s'en était évadé en partant dans la solitude, n'est-ce pas ? Il y a ce séjour incroyable qu'il a fait dans la forêt, hein, dans cet inconfort total, dans le froid, dans une maison sans eau. Et c'est en quelque sorte là qu'il trouvait sa liberté. Il trouvait sa liberté dans la pauvreté... consenti, la pauvreté voulue. Godine 1954. Tada 33-godišnji Radovan Ivšić povlači se u šumu, u lugarsku kućicu na Sljemenu, iznad Zagreba. Razočaran posljeratnim društvenim i političkim okružjem, te obilježen nerazumijevanjem onoga što je radio, u samoći prevodi francuske klasike. Klasičnu naobrazbu uz odlično poznavanje jezika stekao je u rodnom Zagrebu, u obitelji intelektualaca. Njegov otac, Stjepan Ivšić, koji je bio lingvist, koji je bio profesor na sveučilištu, koji se bavio istraživanjem glagoljice, koji je preveo sa grčkoga Odiseju. U jedno jako teško vrijeme, dakle za vrijeme Drugog svjetskog rata, je bio rektor sveučilišta. Dakle, riječ je bila nešto čemu se stremilo, nešto čemu se služilo. I Radovan je kao gimnazijalac, on je namjeravao studirati matematiku i studirao je matematiku 2 godine čak, ali je zapravo živio tu poeziju i jednu posebnu pažnju i odanost prema riječi. On kao 17-godišnjak koji je već prevodio neke francuske autore i već čitao Andrea Bretona, što je vrlo bitno za ono što će se kasnije događati, prisustvuje jednoj predstavi Sofokla kraj Avignona. To je presudno za njegov kontakt i s francuskom kulturom i za spoj teatra i poezije koji karakterizira cijeli njegov kasni opus. Znamo da je Stjepan Ivšić bio smijenjen sa mjesta rektora jer se nije složio sa uvođenjem korijenskog pravopisa za vrijeme nezavisne države Hrvatske i znamo da je Stjepan Ivšić pod optužbom za suradnju sa okupatorom i sa ustaškim režimom poslije Drugog svjetskog rata izbačen i iz akademije. A znamo isto tako da odnosi između oca Stjepana i sina Radovana nisu bili dobri. Il m'avait dit quelque chose de très émouvant, c'est que son père, au fond, ne comprenait pas toujours très bien ce qu'il faisait, ses poèmes, et qu'un jour, il avait essayé de reprendre les grands poèmes de Radovan Ivšić qu'il avait publiés dans les années 40-45, pour les mettre dans une forme plus classique. Ce qui, évidemment, témoignait à la fois d'une certaine incompréhension de ce qu'il faisait, mais en même temps d'un grand amour pour son fils. U Zagrebu, Vlado Habunek, kojega sam prilično dobro poznavao, organizira družinu mladih u svojem stanu na Ribnjaku, s kojeg je inače lijepi pogled na park tamo padao. I tu su se
poluilegalno ili ilegalno izvodile neke predstave. I ta Družina mladih je djelovala od 40. do 46. Družina mladih je nastala iz jedne mladenačke, ali vjerujem i trajne i vječne Radovanove ideje da je poezija čudo. Nije tu bio samo Habunek, Radovan, tu je bio Edo Kovačević. Oni su svi živjeli u tome. I ono što je zanimljivo, oni se jesu služili muzikom, ali muzika nije postojala kao dekoracija. Ona je postojala kao dio toga šumnoga svijeta koji ide jedanputa iz riječi, u pokret, u glumu, ali bit nije bila njegova ili njihova dobra ili loša gluma, nego je bit bila govorenje teksta. Godine 1942. u okupiranom Zagrebu, Radovan Ivšić u vlastitom izdanju objavljuje poemu Narcis, koja je bila potpuno drugačija od bilo čega do tada na književnoj sceni. Vi imate te riječi koje vam se čine same, koje kad su tiskane u Narcisu, one su tako i tiskane da je svaka svoj svijet, svoje uporište, reklo bi se. Međutim, sve zajedno je jedna muzika koja ide iz smisla, iz riječi, naravno ono što je poetska imaginacija, o čemu je teško govoriti uopće. Njegova poezija je ezoterična na jedan način. Ne služi se velikim riječima, nego naprotiv, služi se riječima koje se osluškuju kao jeka tišine. U tišinu dolaze iz tišine i to je dakako jedna druga poetika koja nije poetika poznata kao nadrealistička. To je jedna suptilna poezija. Naklada je bila 100 primjeraka, ali je to tadašnja vlast, takozvane NDH, proglasila za dekadentno i to s najvišeg vrha, ili kao se tada govorilo, službeno glavnog stana. I uništena je naklada, osim par primjeraka koji su očuvani kod prijatelja, a sama ta poema je izvedena, dakle, ilegalno u tom Habunekovom stanu od Družine mladih. Zabranjen za vrijeme Pavelića, Narcis je istu sudbinu doživio i nakon 1945. za vrijeme socijalističkog realizma. Radovan je rekao da ono što su oni radili se pretvorilo u jedno čudo koje se naravno ugasilo. Ugasilo se grubom silom političke vlasti, kako to sa najčišćim poezijama često i biva. Onog trenutka kad je njihov teatarski rad zabranjen, pojavila se mogućnost lutaka, jer je lutka imala određenu ulogu i prije i to je jedan oblik kazališta koji može biti slobodni, dok i to nije zabranjeno. Sa zabranom toga je definitivno stavljena točka na aktivnost teatarsku i javnu poetsku Radovana Ivšića. Godinu dana nakon Narcisa, Ivšić piše dramu Kralj Gordogan. Bajka o ludom tiraninu koji likvidira sve oko sebe, zbog mogućih aluzija na suvremeni društveni okvir, u vrijeme kad je nastala, nije mogla biti izvedena ni na jednoj hrvatskoj pozornici. To je jedna kazališna priča po uzoru na Žarija i Birua, dakle jedan avangardni komad, a Ivšić mu je dao svoju verziju, jeli. Taj motiv šume, to je jedan model jedne politike totalitarističke koja vrši likvidaciju svega ljudskog, pa na kraju završava i sa sječom šume. Šuma je općenito u našoj kulturi zapravo simbolizirala od samih početaka
rađanje nekog novog svijeta, uvijek je bila pribježište umjetnicima, pa tako i kod Radovana Ivšića. Šuma je mjesto početka, šuma je mjesto mašte, mjesto snova, ali isto tako šuma je i mjesto stravičnog stradanja i šuma je zapravo simbol stradanja čovjeka i cijelog čovječanstva. Dakle, kralj Gordogan kao zadnji stadij svoje agresivnosti i svojeg rušilačkog pohoda zapravo uništava šumu. Je crois que c'est une des dimensions les plus fortes de l'œuvre de Radovan que cette question de la particularité de l'individu. C'est une grande œuvre sur ce que c'est qu'un individu et comment l'individu se détache du collectif, comment un individu doit batailler contre le groupe, contre sa standardisation, contre le conformisme. Comme tout acte poétique, elle est bien au-delà du seul témoignage historique. Zahvaljujući slučajnom poznanstvu s mladom francuskom egiptologinjom koja je boravila u Zagrebu, Ivšić 1954. dobiva garantno pismo i vizu i uskoro odlazi u Pariz. Čini se da taj boravak počinje doista pod sretnom zvijezdom. Nakon par dana on susreće Perea, koji ga već bio prevodio, dakle jednog od važnijih nadrealista. Pere ga upoznaje sa Bretonom, a susreće preko nadrealista i mladu Annie Lebrun, koja će mu kasnije postati supruga, koja je bila vjerojatno kao 17-18 godišnjakinja, valjda najmlađi nadrealist u toj grupi. J'ai rencontré Radovan dans l'entourage de Breton, parce que j'étais aussi assez révolté par le monde que je voyais. Et je n'avais pas du tout envie de m'y intégrer. Et dans ces années-là, un des seuls lieux possibles où on pouvait encore parler de ce qui importait des gens comme moi, c'était du côté des surréalistes. Donc c'est comme ça que je me suis retrouvée là, toujours avec des hasards qui font qu'il n'y a pas de hasard et qu'on se retrouve là où on doit être, vous voyez. Quand Radovan arrive, le surréalisme n'est pas du tout à la mode. L'existentialisme est triomphant avec Sartre, le Parti communiste français est très fort avec les lettres françaises. Donc le surréalisme est complètement dans les marges. Il n'a pas du tout l'éclat qu'il avait, par exemple, dans les années, à la fin des années 30, enfin, avant la guerre. Le surréalisme n'a jamais été un mouvement d'avant-garde. C'est pas du tout un mouvement d'avant-garde. C'est une attitude devant la vie. C'est ça qui est plus important. Et c'est parti de la révolte de quelques jeunes gens après la guerre. Ça vient de Dada, donc c'est juste après la guerre, après la boucherie, la tuerie de la garde de 14, qui sont absolument dégoûtés de ce que le monde occidental vient de faire. Alors Breton était très, très intéressé par Radovan. Et puis, bon, au fur et à mesure, donc, ils se sont vus pendant pratiquement tous les jours, pendant un mois et demi. Et au bout de ces conversations, Breton a dit à Radovan, qui ignorait tout d'ailleurs de l'existence encore du mouvement surréaliste, lui a dit la fameuse phrase « Nous sommes quelques-uns à nous réunir tous les jours et si vous voulez se joindre à nous, sommes quelques amis, venez demain à 18h au café, c'était le café Musset, au Palais Royal. » J'ai rencontré Radovan Ivšić au café surréaliste où nous nous réunissions tous les soirs, alors que moi-même je venais tout juste de prendre contact avec Breton, j'avais 19 ans. Nous sommes là en septembre 1955. Alors, Radovan était déjà venu à Paris et je l'ai vu arriver, donc début 1956, au café. Et évidemment, il a participé à partir de ce moment-là à toutes nos réunions et à toutes nos manifestations. Et puis, son rôle principal, outre les différentes collaborations à nos revues, à nos expositions, c'était pratiquement le seul parmi nous qui s'exprimait pas seulement, mais occasionnellement, par le théâtre.
Il avait un visage qui préparait quelque chose qui était derrière. Et lorsqu'on commençait à parler avec lui, les yeux commençaient à s'ouvrir et on découvrait la scène qui était derrière. Et on découvrait tout ce qu'il allait nous raconter, tout ce qu'il allait nous dire. Et Radovan avait cette exception exceptionnelle, c'était une apparition permanente. Et c'est très important parce que son théâtre est fabriqué sur ces apparitions permanentes, sa poésie est fabriquée sur ces apparitions permanentes. Ça veut dire qu'une apparition ne se permet aucune compromission. Je vais essayer de m'expliquer là-dessus très simplement. Lorsque vous écoutez une œuvre de Jean-Sébastien Bach, papapam, pam, pim, pam, pam, on retombe sur ses pieds. Lorsque vous écoutez une œuvre de Mozart ou de Maurice Ravel, papapapa, tirai, pam, et là, c'est la surprise et c'est l'apparition. La personne de Radovan était à la fois très élégante et un peu inquiétante, parce qu'on ne savait pas exactement à qui on avait affaire, véritablement, les premiers temps. Enfin, je parle de ceux qui ne l'avaient pas connu préalablement, comme Perret et Breton, qui n'avaient aucun doute sur lui. Mais évidemment, il arrivait de Yougoslavie, qui était en situation politique particulière à l'époque, et donc on avait une certaine, pas méfiance, c'est pas le mot, mais réticence, disons. Et puis Radovan a très vite été accueilli. Il avait une sorte de séduction naturelle qui a fait effet. Il a découvert, alors ça c'est tout à fait étonnant, quelqu'un dont il connaissait l'œuvre depuis 1937, c'était Toyenne. Alors, c'est raconté plusieurs fois, il découvre dans une petite publication surréaliste d'avant la guerre, il découvre la reproduction d'un tableau de Toyenne, cette étrange petite fille. Il est frappé, et voilà qu'il va découvrir Toyenne à Paris, Toyenne avec laquelle il y a une profonde fraternité. Ce sont évidemment l'un et l'autre des gens de l'Est. Hein. C'est Radovan qui a traduit le roi Gordogan. Il a fait lire à Breton qui a vraiment beaucoup aimé cette pièce-là. Et d'un autre côté, il l'avait envoyé à ce qui s'appelait la chaîne nationale, qui était une radio de France, qui était très importante parce que c'était comme là où se faisaient où se passaient les événements culturels. Et quelque temps après, il a reçu la nouvelle que c'était accepté, que ça va être joué dans les meilleures conditions. Je me souviens, il nous l'a fait écouter. Un soir, il l'avait sur bande magnétique, il nous l'a fait écouter dans une soirée de la rue Galande. Et ça a été une découverte pour nous, parce que c'était très frappant de voir que cette pièce qui avait été écrite dans les années 40, si je ne m'abuse, quelque part avait une modernité qui recoupait à la fois celle de Jarry et celle qu'il ne connaissait pas de Witold Gombrowicz. Il y avait quelque chose qui le situait entre ces deux pôles et qui était complètement neuf parce qu'il avait réussi à dégager un territoire à lui. Dans la fin des années 50, les uns et les autres, après avoir discuté, moi je n'étais pas là, pensent que c'est important, que quelque chose d'important se joue sur la question érotique dont on n'avait jamais parlé avant, véritablement, et décident de consacrer l'exposition internationale du surréalisme de 59 à la question érotique. Alors, la scénographie de l'exposition était conçue comme une grotte. Hein, c'était... On entrait comme il y avait une sorte de voie étroite qui quand même évoquait un sexe de femme. Marcel Duchamp était co-organisateur de l'exposition et il avait eu beaucoup d'idées bien sûr comme toujours et il avait eu une idée très simple par exemple il me dit ah ça serait bien l'érotisme tout ça ça serait bien d'avoir un plafond qui respire et le sol était entièrement couvert de sable ce qui fait qu'il y avait aucun bruit.
Et ça a eu une importance énorme parce que là encore, Radovan est intervenu. Et il avait proposé, pour sonoriser l'ensemble du parcours, des soupirs de femmes qu'il avait enregistrés. Je ne sais pas comment, mais il les avait enregistrés. Et c'était absolument étonnant parce que les gens qui rentraient là, d'une part, ils étaient saisis par le fait qu'on n'entendait absolument aucun bruit de pas ou quoi que ce soit, parce qu'ils marchaient dans du sable. Et il y avait ces soupirs de femmes qui sortaient de toutes les salles au fur et à mesure qu'on se progressait, qui les tenaient dans un mutisme absolu. Les gens n'osaient pas parler, ils étaient là, très impressionnés et très sensibles à... Ça a fait ça aussi, ce silence avec les murmures de femmes a fait beaucoup de bruit. Et cette exposition a eu une importance décisive, je crois, pour après ce qu'on a appelé la révolution sexuelle. Radovan Ivšić je smatrao da umjetničko izražavanje mora biti oslobođeno pravila, prepušteno podsvjesnom, kakvo je često kod narodne, primitivne umjetnosti. I sam je radio asamblaže, kolaže, fotografije. Pod nazivom Edition Surrealist, nadrealisti, nezavisno od postojećih izdavača, objavljuju većinu poezije i polemičkih tekstova. Za seriju Bakroreza češke slikarice Toajen, Ivšić je napisao poeziju, te su zajedno izdali knjigu Neobičnog uveza. Igra na naslovnici najavljuje tematiku i stihova i crteža. Pour cette très belle pointe sèche, Radovan a composé ce qu'il appelle des feuillets, ces 12 feuillets qui composent, qui forment cette admirable suite qui est sans doute ce que j'aime le mieux dans sa poésie et qui est probablement un des plus beaux textes français, écrits en français, du demi-siècle. Ça s'appelle « Le puits dans la tour » et au fil de ces feuillets qui sont traversés par du silence et on a l'impression en lisant ces feuillets que nous sommes transportés dans une atmosphère raréfiée, à haute altitude. Ce qui me frappe aussi dans cet univers de Radovan, et c'est une constante depuis sa jeunesse, et peut-être parce qu'il vient d'un pays où les forêts sont d'une beauté sans égale, c'est cette présence, cette audition plutôt, du bruissement des choses, du bruissement des feuilles. Radovan me disait qu'il existait en croate, dans la langue croate qu'il aimait beaucoup, qu'il existait une multitude de mots pour dire le bruit, les bruits de la nature, et notamment le bruissement des feuilles, le bruissement des buissons, alors qu'en France, en français, nous avons un registre assez réduit. I 61. dolazi drugi udar vlasti nakon one cenzure Narcisa. On biva isključen iz društva, tad se nije zvalo Društvo hrvatskih književnika kao danas, nego Društvo književnika Hrvatske, mala inverzija, ali koja je imala političke i nacionalne implikacije, biva izbačen uz obrazloženje da je neovlašteno predugo ostao u inozemstvu i da ne sudjeluje više u radu društva. Treba znati da je njegov pokušaj integracije u korpus hrvatske književnosti, zašto je poneprije zaslužan Zvonimir Mrkonjić, također izazvao stanovite otpore. Tome je uvelike pridonosio temperament Radovana Ivšića, koji je ostao živahan u svojoj zreloj dobi, onako kakav je bio kad je bio mlad. I on, kad bi sreo nekoga s kim je bio u zavadi ranih 50-ih, on se i 70-ih i 80-ih godina prema toj osobi odnosio sa istom strašću s kojom se svađao tamo početkom 50-ih godina. Nakon ponovnog pojavljivanja zanimanja za ono što je Ivšić napisao prije odlaska i u Francuskoj, na pozornici Zagrebačkog kazališta ITD postavlja se Kralj Gordogan.
79. je Gordogan izveden u magistralnoj, da ne kažem, kultnoj Habunekovoj režiji. Međutim, bitno je da je taj komad izveden 79. da je napisan 43. Dakle, mnogo, mnogo ranije. Ivšić je bio nadrealist prije nego što je susreo nadrealiste. Tekst kralja Gordogana u kontekstu 70. godina nužno je izazivao asocijacije na tadašnju vlast, na tadašnju ulogu jugoslavenskog predsjednika Tita, na kult ličnosti. Ali s druge strane, ta predstava i taj tekst Ivšićev nema eksplicitne političke poruke. Dakle, to nije tekst koji bi s pozicija jedne ideologije kritizirao drugu. To je tekst koji s pozicije apsolutne pjesničke slobode kritizira svaki oblik totalitarne vlasti, ne upotrijebivši pritom ni jednu političku frazu, ne upotrijebivši ni jednu očitu političku asocijaciju. Njegov stav prema službenim priznanjima je bio negativan. Naime, on je smatrao da se sa tim priznanjima hoće potkupiti umjetnik i njegova sloboda. Prema tome, on je kao nadrealist po stavu to kategorički odbijao. Protivnik tradicionalnog kazališnog govora, Ivšić pomoću ludizma i apsurda naglašava moralnu ulogu umjetnosti. No njegovi dramski tekstovi ni u Francuskoj nisu doživjeli veći broj uprizorenja. Alors j'ai mis en scène le roi Gordogan deux fois et Ayak Saya. J'ai fait ça dans un théâtre que je dirigeais qui s'appelait le théâtre du hangar. C'était un lieu dans lequel on pouvait travailler, faire ce qu'on voulait. On avait le temps de répéter, on avait le temps de comprendre l'espace. Je travaille avec mes étudiants sur les œuvres de Radovan. Et c'est pour ça que j'ai grand espoir. Hein, parce qu'on voit bien que quand on permet à cette œuvre de rencontrer des jeunes gens, ça touche pas tout le monde, mais ceux que cela touche, on est de l'ordre de l'embrasement. Enfin, quelque chose n'est plus tout à fait pareil après. Mais c'est une écriture apparemment très simple. Il n'y a aucune forfanterie, aucun esbrouf. Il ne s'agit pas d'en mettre plein la vue. Voilà. Godine 2004. Radovanu Ivšiću francuski izdavač Gallimard objavljuje tri knjige: poeziju, dramske tekstove i kritičke osvrte. Pour Radovan, il y a un tout. Là, il y a ses œuvres, son travail critique, ses préfaces. Il y a l'homme de théâtre, mais la poésie, tout ça se renvoie et forme une chose qui est très simple. C'est quelqu'un qui a à la fois aimé la simplicité des choses, disait avec beaucoup de perspicacité, et puis en même temps aimait revisiter les grands mythes. Donc l'ensemble est cohérent. Et ces deux livres sur le théâtre et la poésie, je trouve, forment vraiment un tout qui me semble important. Et bien sûr, indépendamment de ses origines, pour moi, c'est un écrivain universel, qui touche à la fois à l'amour, à la comédie, à la jalousie. Il aimait beaucoup rire. Annie Lebrun aussi est quelqu'un qui aime énormément rire. L'un et l'autre sont des personnages très élégants. Radovan aimait beaucoup les vêtements. Il avait toujours des chaussures magnifiques de jeune homme de 20 ans, des baskets magnifiques. Il avait des cravate superbe, beaucoup de couleurs. C'était vraiment un grand seigneur. C'est un grand seigneur adolescent. Parce que, justement, dans l'adolescence, il y a une certaine insouciance. Il y a l'insouciance de l'adolescence. Stan Radovanov i Anije, jedan vrlo skroman stan, ako se uzme u obzir koliko tu ima slika, dragocjenih knjiga i svega, to je stan muzej. Međutim, zbog velike težine, podovi su bili, pa rekao bih, primjetljivo valoviti, jer oni su se savijali pod tom težinom. A kao kuriozitet mogu spomenuti da je jedna od biblioteka bila u WC-u, a tu se nalazilo dobar dio važne proze,
Dakle, ako bi se neko bio tu zatvorio kao mahniti čitač, mogao je tu sa tom lektirom odoljeti nekoliko godina. Je sais pas, ça c'est le fait comme ça de rencontrer Radovan et le fait qu'on a commencé à être ensemble, c'est ça s'est fait tout, pour moi toujours tout naturellement. Enfin, j'ai pas réfléchi. Je réfléchis jamais dans ces cas-là, mais j'ai pas du tout réfléchi. Et puis c'était comme ça quoi, c'était ainsi. Donc c'est comme ça, ça s'est imposé. Mais alors que justement tout pouvait nous séparer, c'est-à-dire lui venait d'Europe centrale, bon, moi je venais de ma Bretagne, voilà, et tout ça c'était... Il y avait l'âge quand même, il y avait quand même une assez grande différence d'âge, il y avait un peu plus de 20 ans de différence et tout. Et même, je crois que les gens qui nous ont connus savent bien qu'on était des personnages très très différents, et puis ça a toujours bien fonctionné, et puis cette histoire de différence d'âge, moi, je ne m'en suis jamais rendu compte. Alors bon, on peut dire au départ, quand on n'a pas à peine 20 ans et qu'on est avec quelqu'un qui a autour de 40 ans, bon, c'est pas très grave. Mais le temps passant, je ne me suis jamais, jamais rendu compte que j'étais avec quelqu'un qui vieillissait. C'est-à-dire, j'étais avec un jeune homme. J'étais avec un jeune homme, c'est ça. Et voilà, il y a une photo. Quand Radovan écrit Narcisse, il doit avoir 19 ans, même si je ne l'ai pas rencontré à cette époque-là, mais j'ai toujours été avec ce garçon-là. Donc, vous voyez, c'est ça.